Dans le live de la Star Academy diffusé ce dimanche 14 janvier, Michael Goldman a dévoilé aux demi-finalistes de la 11e saison le déroulé de la semaine prochaine entre évaluation pour Julien et Axel et grande audition pour Elena et Pierre. Une semaine qui s'annonce tout aussi chargée que les précédentes. Les téléspectateurs ont décidé de sauver cette semaine Julien, Elena et Axel, éliminant Lenny, la Benjamin de la 11e saison de la Star Academy. La jeune femme n'est pas remontée sur scène à la suite de cette annonce à cause du choc qu'elle a vécu. Elle a d'ailleurs reçu de nombreux messages de soutien sur les réseaux sociaux de la part des professeurs du programme, mais aussi de la part d'anciens de ses camarades. Dans le live de la Star Academy diffusé ce dimanche 14 janvier, Michael Goldman a donné des nouvelles de Lenny aux élèves, leur assurant qu'elle allait bien et qu'il l'avait eu quelques minutes auparavant au téléphone, de quoi les rassurer. Vous allez avoir une évaluation, Michael Goldman, Star Academy, annonce à Axel et Julien qu'ils passeront des évaluations mercredi pour un avantage. Cependant, le directeur ne s'est pas déplacé pour leur donner des nouvelles de Lenny, mais pour leur dévoiler ce qui les attend la semaine prochaine avec la demi-finale opposant Axel et Julien ce samedi 20 janvier. Le prime va forcément avoir un impact sur le déroulement de la semaine. Pourquoi? Déjà sur le prime, ça va être une sorte de parcours du combattant, c'est-à-dire que vous allez chanter beaucoup de choses et vous allez avoir beaucoup d'épreuves, leur a indiqué Michael Goldman, et de poursuivre, on a prévu quelques petites choses pendant la semaine, notamment pour préparer ce prime-là. La première chose, c'est que vous allez avoir une évaluation tous les deux, mercredi. Axel et Julien devront ainsi passer une épreuve de théâtre, puis de danse et enfin de chant, comme la semaine précédente. Cependant, les deux jeunes hommes ne se battent pas cette fois-ci pour une immunité, mais pour un avantage, sur lequel il n'a pas donné plus d'informations. Michael Goldman, Star Academy, dévoile les contours de la grande audition que passeront Elena et Pierre mardi. Axel et Julien seront ainsi départagés à l'issue d'une minute de théâtre avec un texte qu'ils écriront en amont sur un thème donné par Pierre de Brouwer, d'une minute de chorégraphie sur une musique de leur choix et ils chanteront un titre qu'ils dédieront à une personne qu'ils ont croisée au cours de la Star Academy et qui les ont touchés d'une manière ou d'une autre. De leur côté, Elena et Pierre, dont la demi-finale aura lieu le samedi 27 janvier, ne sont pas en reste. En effet, ils passeront mardi une grande audition devant le corps professoral. Vous allez choisir la chanson que vous rêvez de faire sur le prime. C'est libre, leur a-t-il assuré, provoquant la surprise, et d'ajouter, non seulement vous allez la chanter, vous allez aussi arriver avec une espèce de direction artistique, en nous disant, j'aimerais qu'il y ait des danseurs, un décor. Tout ne sera peut-être pas réalisable comme vous le souhaitez, mais le tableau qui nous plaira le plus, vous le ferez au prime. Les académiciens ont une nouvelle fois beaucoup de travail cette semaine.